Il se joue dans un couple beaucoup de choses qui nous échappent. On n'est pas deux dans un couple, c'est qu'on est quatre. Le masculin et le féminin de l'un et le féminin et le masculin de l'autre. Des épousailles qu'il doit y avoir, selon la Bible, à l'intérieur de chaque être humain, entre sa part féminine et sa part masculine, ben ça commence comme ça. On est là pour rendre heureux quelqu'un d'autre, pas juste pour découvrir l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi. Si chacun individuellement a fait un travail sur lui-même, de connaissance de soi, de rendre conscient ce qui est inconscient, et si chacun dans la relation a fait un bout de ce chemin-là, bah, la relation sera de mieux en mieux. Qu'est-ce qui se passerait si on commençait aussi une relation en se disant « je suis là pour apprendre à faire plaisir à quelqu'un » et imaginez si l'autre pense la même chose et qu'on est dans un faire plaisir réciproque, c'est là que commence peut-être la nouvelle vie du couple du 21e siècle.